c'est l'histoire de ma mère et moi. Nous sommes étrangères. Nous sommes venus après la mort de mon père. Pour nous, ce n'était pas possible de rester en Bulgarie parce que ma mère a été renvoyée et notre vie était dure. Elle a décidé de partir pour qu'on puisse avoir un bon avenir. Ma mère et moi, on est très proches et on s'amuse ensemble. Chaque jeudi, on va au cinéma. Pour nous, c'est une habitude. Ma mère est ma meilleure amie. Je l'aime beaucoup et j'ai confiance en elle. Au lycée, dans ma classe, il y a un garçon que j'aime beaucoup. Hier, on était dans la même équipe de lettres. C'était vraiment amusant. Ah bon, raconte-moi. Il m'a invité à un boom qui sera demain soir. Je trouve que c'est une bonne idée, mais il ne faut pas que tu sois en retard. Et tu dois rentrer à 11h. Ça va bien et toi? Moi aussi je vais bien. Ok. Salut. Salut, comment tu t'appelles? Je m'appelle Sophie. D'où es-tu? Je viens du Bulgarie. Est-ce que tu veux une cigarette? Non, merci. Vas-y, ne sois pas timide. Qu'est-ce que tu veux boire? Du whisky? Non, merci. Peut-être les Bulgares ne boivent pas d'alcool. Quels sont tes loisirs? Qu'est-ce que tu veux faire? J'aime écrire. Qu'est-ce que tu écris? Des sketchs, du conte de fées? J'écris des poèmes. J'ai un ami qui écrit des poèmes. Il ne peut pas gagner sa vie. Est-ce que tu veux essayer? Pourquoi pas? C'est bien, tu verras, c'est cool. En ce qui concerne la lumière, je ne pense pas comme les autres. Je ne suis pas d'accord avec eux. À mon avis, écrit sur quelque chose de merveilleux, j'ai changé à cause de mes amis.
C'est à cause d'où j'ai arrêté de faire ce qui m'intéresse. Est-ce que tu peux me lire tes poèmes? Oui, bien sûr. Il s'agit d'une fille et d'un garçon qui tombent amoureux l'un de l'autre. Elle était assise en face de lui, embrassée ce bel homme, elle en avait envie. Ils sont devenus inséparables, ils sont toujours ensemble. Ils ont pris une route à voie unique et sur leur voyage épique. Tu es tellement différent des autres. Je me reconnais dans toi. Je vois les mêmes personnes, j'entends les mêmes blagues et les mêmes rires. Pour être accepté, je dois perdre mon identité. Non, je n'ai pas besoin de ça. J'ai trouvé quelqu'un qui me comprend. Et c'est lui dont j'ai besoin. Maman! Maman, je suis désolée. Tout ce qui était là-bas ne seront jamais mes amis. Le plus important, c'est d'être toi-même, mais c'est quelque chose de difficile.